qui se passe, c'est que en bas, ils sont pas encore en position. Ça veut dire que au moment où on donnera un coup de sifflet, ils vont commencer à se dispatcher. Ça veut dire qu'au coup de sifflet, on devra foncer pour prendre tranchée en priorité. Ah, oui. Voilà. Pourquoi prendre tranchée en priorité? Parce que tranchée deviendra une respawn. Et perso, si ça peut m'éviter de retourner à l'antenne à chaque fois. Ça pose problème à qui? Faut toujours des connards en fait. Ils ont pas pris les bons en fait. 3. T'es con toi. Putain, mais quand est-ce qu'on va lui acheter un cerveau? Le trinôme de choc, vous partez en deuxième. C'est vous deux là les premiers? Non, on est dernier nous. Oui. Damien, tu touches trois enfants. Vous êtes prêts? Je vais avec Tarico d'abord, les trois autres enfants. Et nous deux. Les deux Damien. Trinôme de choc derrière eux. 3, 2, 1. Sifflement. Sifflement. Je peux pas avec le masque. Mais tu demandes à quelqu'un? Je sais pas qui c'est qui veut. Ou tu pètes dedans. Wow. Allez-y. Allez, go. Trinôme. Quelle branche? Aïe. Merci, c'est bon. Merci. Fonce. Tant pis pour ta gueule. T'as les mecs qui font que de parler, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec des joueurs comme ça? Et j'ai dit jusqu'à tranche, mais c'est pas grave. Oh, Ludo anticipe, c'est bien. Anthony. Putain, mais. Ça, c'est à nous. Ouais, mais le point, c'est que ça traîne depuis 20 ans. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des glands. Les gars, ils tirent avec des glands, arrêtez. Anthony, tu me suis toujours, t'es mon ombre. Ouais, ouais. Qui est dessus? Damien? Ouais. Tu es l'ombre de Rico. Okay. Non, tu peux plus préparer et poster si on lui tire dessus. Eh, qu'est-ce que tu. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre, là? Qu'est-ce qu'il fait, Pierre, là? Qu'est-ce qu'il fait, Kylian, là? Non, oh, ils ont pas reçu l'ordre d'avancer, là. Qui recule tout de suite. Ligne de défense, pour l'instant. Ligne de défense et le binôme Pierre-Vexor, vous êtes trop près, là. Vous êtes trop près. Écartez-vous l'un de l'autre. Là, je balance une rafale de deux. Je vous ai tous les deux. Oni, tu viens avec moi. Là, on est trop près de la première ligne. Bah oui, on est juste avant. Bah oui, quelle question. Ouais. Alors, tu envoies, là, tu envoies un beau lol. Lol. Alors, Rico, demande à Rico s'il a un visu jusqu'à bunker. Non. Non, Ludo, non! Le pays merveilleux! Non, mais arrêtez là! Arrêtez là, ça suffit! Demande à Rico si. Ah, contact! Contact où ça? C'est qu'a dit contact? Oui! J'ai reçu un tir, je crois. Il croit ou est-tu? Il est sûr? Croit ou sûr? Vu comment les arbres ont bougé d'un coup, je pense. Oui, c'est bon. Ça doit être le snipe. D'accord, est-ce qu'on sait d'où ça vient? Vous avez vu d'où ça vient? Bon d'accord, est-ce que... Vexor. Je crois que c'est Vexor. Oui. Non mais si Vexor est à out. Si non, il y a Pierre. Est à out, c'est plus la peine de tirer. Il y a non, il y a Pierre, peut-être qu'il peut encore progresser. Ouais, mais c'est pas la peine, il sera tout seul. D'accord, situation, demande à Rico, situation. Situation, est-ce que tu peux atteindre l'ennemi ou pas? D'accord, Vexor, le binôme de Vexor, il est où là? Vexor et son binôme, ils sont où? Putain, mais ils ont pas pu sortir de Gloriole? Non, mais oui, ils ont dû essayer. Puis... On va se rapprocher, toi et moi, parce que là, en fait, par radio, ça ne le fait pas, d'accord? Ouais. Et on va prêter main forte pour un tir de couverture, si besoin. Ok? D'accord? Le binôme numéro 3 rentre en action. Voilà. Alors, on va essayer de voir. D'accord, ok, je comprends. D'accord. Rico, d'après toi, pourquoi le binôme de Vexor n'a pas pu avancer plus que ça? Je sais pas, moi, c'est une question que je te pose. Non, je sais pas. On a pourtant fait rabaisser Ronan pour éviter qu'il tire, mais on dirait que c'est des bosses plus bas. Il a dû trouver une ouverture, il était auprès du bidon embrouillé.
La seule ouverture, c'est de prendre le checkpoint. Reçu. Nous, moi et Rico, on est en stand-by, d'accord. On va attendre... Bon, allez, vas-y. Ouais. Eh, faut... en visuel, non il est en visuel là Anthony, est-ce que tu peux pas te mettre derrière l'arbre plutôt comme tu veux, là ils sont à l'abri. Alors explique moi ton rapport. Alors tu vois il y a le bar, oui, il est juste en dessous, d'accord, il y en a un juste en dessous, d'accord, et je crois que c'est Carl. Ok, d'accord. Quand tu as essayé de progresser jusqu'à checkpoint, pourquoi tu t'es fait éliminer? À cause de Carl. D'accord. Tu m'as brûlé comme un connard. C'est bien un connard. Ok, d'accord. Alors au top de la ligne. Ok, au top de O'Neill, d'accord, ils vont engager un tir de couverture de par deux, t'as ton travail, ça va être de rejoindre Pierre. Jusque là, ça va. Ok. Et si j'ai Carl en visu, je peux le... Ah, bien sûr. Nous allons faire un petit tir de couverture en données. En fait, il va y avoir deux tirs de couverture qui vont être donnés à ton top pour progresser jusqu'à checkpoint. Deux endroits différents. Ok, c'est moi qui donne le top pour... Non, ça va être nous. Dès que t'entends dès que tu entends le tir de couverture, tu pars. Ton travail, ça va être d'aller jusqu'à checkpoint. Tu sautes, tu tombes dans le trou, je m'en fous. Dis-toi que une fois que t'es derrière checkpoint, je suis à l'abri. Une fois que t'es derrière le tas de terre, ils ont pas d'angle sur toi, que ce soit sur bunker ou à du bar, ils ont pas d'angle sur toi. À part s'ils se lèvent, sauf que s'ils se lèvent, nous on peut les avoir. Okay. Tu comprends? Mais dans tous les cas, ils sont baisés si je suis à checkpoint. Voilà, au pire tu sautes dans les ronces, de toute façon tu t'en fous, c'est des ronces. Moi j'ai déjà fait, rappelle-toi. Oui, bah, okay. Ok, d'accord. Si je peux éviter, je le ferai, mais... D'accord, donc ligne de défense, préparer un tir de couverture 2 par 2 sur la position du bunker et du bar. D'accord? Reçu? D'accord. Et ancien ou nouveau bar? Ancien bar. Reçu? Reçu. Dès le début du tir, tu engages. Rico, t'es trop. Viens derrière. Mets-toi derrière moi. O'Neill, quand tu veux. C'est toi qui t'occupe de lancer la cadence. Rico, t'es avec qui toi? Il est avec moi. Là, on a switché. Là, on a switché pour le truc de couverture. D'accord. Donc Delta et moi, on prend le lancer bar, vous tirez sur. Non, nous on fait pas partie du tir de couverture cette fois. Toi t'es avec Delta et Dizis. Il est con, lui. Avec Delta et Dizis, vous allez faire un tir de couverture 2 par 2 sur la position du bar, enfin de l'ancien bar, et du bunker. J'ai pas assez de portée, On s'en fout. C'est histoire qu'il baisse la tête. On s'en fout. Rico, tu vas faire la même erreur que la dernière fois, que tout à l'heure. Vous êtes. J'étais debout, c'est pour ça. Faudrait que je me mette allongé juste en dessous. Ouais. C'est pour toi. Bon, bah, en avant. Oh putain, je... Qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, allez, vas-y. Non, deux par deux. Et c'est pas ce que c'est qu'un tir de couverture, en fait. Eh, tir de couverture, les gars, eh. Bah oui, mais qu'est-ce... On s'en fout qu'il n'y ait pas... C'est le bruit. Mais si, ils vont tirer... Stoppez le tir! Stoppez tout le monde, arrête de tirer! Tout le monde arrête de tirer! Oui, avec ça on va te faire réparer. Moi j'atteins le bunker. Hein. Tu vois, les billes passent au-dessus de lui, il a vu là. Ok, je vais faire un truc de dingue, ça va peut-être me faire mal. Sauter dans les ronces à droite. T'as cru? Non mais moi je vais le faire. Ah toi? T'as vu tout de suite quand c'est les autres, tout le monde s'en va. C'est un truc de fou quoi. Oui, mais là je me suis protégé par les feuilles. Bah toi t'étais comme ça. Alors, par contre ça. Du coup, voilà. Non. Pierre, ça va? On n'a pas de nouvelles de Pierre. C'est... Pierre, lâche l'enfant. 1, 2, 3. Non mais c'est bon. Sors. Eh les gars, changez-vous les oreilles. Ils ont pas d'angle sur moi. Petite... Oh, il y a un binôme qui me fait un tir 2 par 2 là. À mon top. Enfin à votre top en fait. 3,
2, 1. Bah trop tard, c'est bon. Tir de couverture, s'il vous plaît. Okay. 2 par 2. Ouais. Maintenant. C'est bon, merci. Vexor au top, tu progresses comme j'ai fait, d'accord? D'accord, on va faire ça petit bout par petit bout comme j'ai fait tout à l'heure. 3, 2, 3. Ah putain, allez. Bon, la couverture est prête là? 3, 2, 1, tirez. Vexor, tu fais quoi là? Vexor? C'est toi qui dois avancer là. Là, le but en fait, c'est que tu avances aussi comme moi. Non. Là, je suis bien, moi. Là, je suis bien, là. Pierre, est-ce que tu m'entends? Alors, est-ce que... Non, en fait, non. C'est bon. Bien sûr, les ricochets de feuilles avec des billes, ça marche pas. La honte quand même, quoi. Bon. Ça va, je suis pas mort. Je sais pas. Vexor, tu m'entends? Vexor, est-ce que tu m'entends? T'as vu ce que j'ai fait? Tu avances, tu fais 3 pas, tu sautes dans les ronces. Comme j'ai fait, d'accord? C'est quoi ce bordel? D'accord. Il appelle les esprits, en fait. Il a des racines africaines. Attends, je vais voir s'il n'y a pas un passage. Je me rappelle plus qu'il y a un passage pour moi. Ah non, il n'y en a pas un. Bon. Si tu vois un petit peu. Est-ce que t'as de la portée, toi? Un peu, ouais. Est-ce que. Il a avancé, il faisait quoi? Il a avancé par là. Il y en a un qui a avancé comme ça et l'autre qui me tirait dessus. Ça, c'est, la mobox, ça c'est Ghost. Eh, psst. Oh, Rico, Rico, arrête, il en reste encore un au niveau du bar. Putain, on va tu t'organises de faire un tir de couverture 2 par 2 pour. Dès que tu peux l'avoir, tu tires. Hein. Ok. Oh, Rico, t'organises un tir de couverture et Vexor, tu ramènes ton cul ici, quoi. Rico, Vexor, t'as compris? Et t'hésites pas à sauter dans les ronds, ça fait pas mal. T'as vu, ça fait pas mal. Et regarde le trou que j'ai fait derrière toi. Non, t'as une transe, toi. Contacte Rico par transe et dis-leur qu'ils organisent un tir de couverture à notre demande. D'accord? Non, voilà. Oui, enfin... Pareil. Et au moment où je l'ai en visu, quoi. Putain, désiste, je t'emmerde.
Par contre, il reste le plus connard des trois. Non, il y en a quatre. Ah oui, il y en a quatre. Saute! Putain! T'as un EEG qu'il faut aller là-bas. Il en reste un. Il en reste un. J'ai pas envie qu'il y en a un qui nous élimine tous un par un, perso. Non. Ouais, c'est le roi des connards. Anthony, c'est pas ce que c'est que le pas dur, hein. Pierre non plus. Bon, ouais, Pierre, c'est normal. Pour connard.